Dès ce samedi 6 février, Amel Bent retrouvera son fauteuil de coach dans la 10e saison de The Voice. Lors des auditions à l'aveugle, la chanteuse va retrouver une personne qu'elle connaît très bien. Elle raconte sa surprise. Amel Bent, plus suivre ne plus suivre Amel Bent est sur tous les fronts. Alors qu'elle vient d'endosser son premier grand rôle dans une fiction unitaire, les téléspectateurs s'apprêtent à la retrouver dans le spectacle des Enfoirés, dont la diffusion est prévue pour mars sur TF1 né sur le plateau de The Voice. Dès ce samedi 6 février, Nikos Aliagas sera aux commandes de la 10e saison du télécrochet de la Une. Suite au départ de Lara Fabian et Pascal Obispo, Marc Lavoine et Amel Bent seront désormais entourés de Florent Pagny qui fera son grand retour après 2 ans d'absence, ainsi que d'un petit nouveau Vianney. Ce dernier a donc pu compter sur les conseils avisés de ses camarades, déjà bien rompus à l'exercice. Même s'ils connaissent parfaitement la mécanique de l'émission, malgré les années d'expérience, celle-ci leur réserve encore des surprises de taille. Amel Bent ne dira pas le contraire. Une personne qu'elle connaît très bien a participé aux auditions à l'aveugle. Il s'agit de sa choriste. Grâce à elle, j'ai compris le concept de The Voice, je ne savais pas du tout qu'elle participait à l'émission, assure la maman de Sophia et Anna dans les colonnes de Nous Deux ce mardi 2 février. Si elle tient à garder le suspense quant à cette rencontre inattendue, Amel Bent n'a tout de même pas pu s'empêcher de glisser quelques détails. Je vous laisse la découvrir mais c'est une séquence incroyable, lance-t-elle dans un premier temps, avant de révéler qu'elle n'a pas reconnu la voix de sa choriste. C'est grâce à sa venue que j'ai compris le concept de The Voice, s'émerveille-t-elle avant d'expliquer, j'ai l'habitude de chanter avec elle, je connais sa voix par cœur et, là, j'ai été incapable de la reconnaître. C'est drôle comme le cerveau est conditionné à la vue. Je me suis dit que je n'avais pas l'ouïe si fine. Reste de nombreuses questions en suspens, Amel Bent s'est-elle retournée sur la voie de sa choriste? Cette dernière fait-elle partie de la team Amel Bent? Un peu de patience. Plus que quelques jours avant d'assister à ces étonnantes retrouvailles.